Et je dis salut les futurs opticiens, les futurs opticiennes Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va faire ce qu'on m'a beaucoup demandé. Le sujet de TSO de l'année 2021. C'est un sujet fastoche Bien sûr, tu vas me dire « Ouais, c'est facile de dire ça, le sujet il est fastoche, mais quand on n'y comprend rien... » Mais je t'ai fait une vidéo super nickel pour que tu puisses comprendre et aimer Adorer le TSO. Donc, si à la fin du visionnage de cette vidéo tu es conquis, je te laisserai bien évidemment liker, commenter si tu as des questions, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et partager au max. Et au passage, je n'ai de cesse de remercier mes super méga gigas abonnés. Donc, bah, merci encore. attaque donc le sujet première page elle ne sert à rien on est d'accord c'est une petite page de présentation bah qui te fait paniquer deux heures coefficient 3 <laughs> mais ça va t'as la calculatrice ensuite on pourrait croire que cette page là ne sert pas forcément à grand chose mais elle est d'une grande aide quand on ne sait pas forcément de quoi est constitué le microscope en gros on te dit que dans le microscope tu as deux parties tu as une partie est un système d'éclairage et tu une autre partie qui va être l'observation de ce qui est éclairé. On te dit dans le système d'éclairage, tu as une source lumineuse, donc une ampoule par exemple, un miroir plan inclinable, miroir plan dans ta tête, ça fait ouais ouais ouais. Je connais des règles là-dessus. Et un petit collimateur des familles, c'est une lentille convergente. Convergente, ça veut dire positif. On te dit que le système permet un éclairage optimum de la préparation qui est l'objet de l'observation. Donc ça, il faut le comprendre comme tu sais, quand tu utilises un microscope, tu mets ta préparation, ce que tu mets dans les petites lames en verre, euh, et bien en fait, c'est l'objet de l'observation. Le système d'observation est réalisé à l'aide d'un doublé objectif. Un doublé, ça veut dire qu'on a deux lentilles que l'on peut changer en fonction du grossissement voulu. Et ensuite, on te dit qu'il y a un doublé oculaire réglable pour l'utilisateur. Donc, doublé, ça veut dire qu'il y a deux lentilles et l'oculaire est réglable pour l'utilisateur. Ça veut dire qu'en fonction de la métropie de l'utilisateur, il va pouvoir bouger un petit peu son oculaire pour pouvoir voir net. Ensuite, comme dans tous les sujets de TSO, les pages suivantes, c'est des petites pages d'informations. Alors, tu as des infos pour la méca... Tu as des infos pour comprendre au final un petit peu ce que tu étudies, donc l'instrument qui est le microscope. Au cas où tu vois, tu as un super petit, euh, une super petite photo d'un microscope où tu vois toutes les différentes parties. Donc si tu as un doute, tu peux regarder ça. Tu as la nomenclature. La nomenclature, c'est très utile pour la méca. Et ils ont été méga giga sympas. Franchement, ils te mettent en figure 2 le schéma de principe avec un utilisateur émétrope. En gros, bah, c'est euh, tous les rayons qui sont déjà tracés au niveau du système d'éclairage et de la partie observation. Ensuite, page suivante, c'est pour mieux comprendre au niveau des questions méca plutôt. Tu as la coupe AA qui représente euh, bah, ton oculaire et le reste. Tu as la coupe BB dans une autre vue. Tu as le tube optique sans les objectifs. Tu as des petites pièces comme l'oculaire, la molette de réglage, la fixation au bras. Et chose très très intéressante, tu as ici le schéma cinématique du microscope. En fait ça, ça te représente le microscope mais de façon simplifiée avec toutes les différentes liaisons. Après on attaque la page de questions. Donc on va pas s'amuser à compter les questions, hein. il y en a, il bah, faut faire le job, basta, c'est comme ça. Par contre, tu as la partie A, tu vas te concentrer sur la voie d'éclairage de la préparation, donc la lumière. Ensuite, la partie B, tu vas étudier euh, tout ce qui est oculaire. Donc, on va te mettre des petits gens là avec des amétropies, tu vas étudier tout ça. Ensuite, la partie C, étude du microscope complet avec une petite étude des champs. Et la partie D, utilisateur astigmate. Bon allez, je vais pas te spoiler le sujet, là, on va commencer par la partie A. Donc pour la première question, on me demande de donner la forme du faisceau d'éclairage après le collimateur et d'indiquer l'intérêt de cette géométrie. On voit qu'entre le collimateur 32 et le support 31, donc après le collimateur, le faisceau est cylindrique. Donc je le note, le faisceau est cylindrique et ça permet un éclairage uniforme. Si après le collimateur, le faisceau est cylindrique, alors ça veut dire que S' Est à l'infini, à l'infini sur l'axe puisque ben, S est sur l'axe donc on peut mettre S' infini sur l'axe. Si on a l'infini côté image, alors côté objet, on aura F et on traverse quoi Le collimateur, donc je le nomme F col. Est-ce qu'on met des crochets ou pas de crochets S est un objet ponctuel sur l'axe, ça veut dire que c'est un point sur l'axe optique. Donc je sais que « s1 » et « s' » seront aussi sur l'axe. Pas besoin de mettre des crochets. Ensuite, question 3, donc c'est la question qui vient toujours après la chaîne d'images. On va la décomposer en plusieurs parties. On va commencer sur le schéma à faire la construction déconjuguée de « s ». Ça veut dire ben, trouver les images de « s »,« s1 » et « s' ». J'ai « s » qui est mon objet. Je dois traverser le miroir pour avoir « s1 ». C'est un miroir plan, donc c'est face toche. Miroir plan égale symétrie de famille. Comme le miroir n'est pas assez long, je viens le prolonger. Ensuite, je fais ma symétrie. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais moi, je trouve que la plus rapide c'est celle-là. Je mets le trait de ma règle sur le miroir. En général, il y a un trait sur les règles roulantes, de sorte à ce qu'elle soit perpendiculaire au miroir. Ensuite, je sais que S est sur l'axe, donc S1. Et sur l'axe aussi. Bim Même distance et perpendiculaire, c'est finito pepito Je place mon S1. Ensuite, pour trouver mon S', je dois traverser le collimateur. Là, on se casse pas la coquillette parce que ma chaîne d'image me dit que S' est sur l'axe et à l'infini. Donc après le collimateur, je place S' à l'infini sur l'axe. Ensuite, on me demande de déterminer la position du foyer objet du collimateur, donc F-col. Et là, on fait attention aux consignes. Déterminer, ça ne veut pas dire construire. Donc, quand tu détermines, t'as juste à lire ta chaîne d'image d'amour et elle te dit Cherche pas longtemps, mon coco, F-col est suressant. Et, et après, tu dois coter la distance focale du collimateur. Stop Alerte rouge dans ton cerveau Y a-t-il une échelle cosmique Non, pas d'échelle cosmique, donc on commence à faire notre affaire. La distance focale est relative au collimateur, donc je pars du collimateur et je viens rejoindre le foyer objet du collimateur. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de tourner ta feuille de sorte à toujours respecter le sens de propagation de la lumière, qui est de gauche à droite. Et évidemment, bah, le jour du BTS, tu pourras faire pareil. Les futurs opticiens n'ont jamais peur du ridicule. Je prends ma règle, je la pose sur le collimateur, je mesure à peu près 15 mm en partant de l'axe optique et je fais pareil en me plaçant sur F-Col. Ça me permet de faire une belle double flèche de cotation bien parallèle à l'axe optique. Ensuite, je mesure la distance entre le collimateur et F-Col. Ça donne normalement 80 mm et je le note au-dessus de ma double flèche. On ne met ni mm ni signe. Ensuite, pour calculer la puissance du collimateur, je dois connaître par cœur cette petite formule, choukard, d égale à moins 1 sur f. Je la mixe façon collimateur, ce qui donne d col égale à moins 1 sur f col. Attention au signal unité. La distance focale objet est négative car on part du collimateur et on va vers le sens inverse de la lumière. On n'oublie pas le petit 10-3 car pour avoir un résultat en dioptrie, il faut que F col soit en mètres. Ça donne une puissance positive de 12,5 dioptrie. Ensuite je dois construire le faisceau couvrant la lentille C et issue de S. La lentille c'est comme si c'était un diaphragme. Je ne change pas ma super méthode des faisceaux. Je place mon petit point qui modélise l'endroit où je dois partir pour commencer à faire mon faisceau. Ici, c'est le collimateur, donc petit point sur le collimateur dans ma chaîne d'image. Dans l'espace image, je pars du collimateur et je vais suivre la direction de S' à l'infini. Je viens montrer que mon faisceau continue en faisant une sublime wave des familles. Et on flèche les rayons extrêmes du faisceau, bien évidemment. Ensuite, entre le collimateur et le miroir plan, je dois suivre la direction de S1 en repartant de là où j'ai arrêté mon faisceau. Sur le dessin, entre collimateur et miroir, je m'appuie sur S1. Attention, tout ce qui est du côté des hachures pour un miroir est virtuel, y compris ce rayon. Donc, réel du côté de la face réfléchissante, et on montre qu'on s'appuie sur S1 en virtuel. Je flèche. Enfin, avant le miroir plan, je dois suivre S. Et c'est en fait de ce point S dont provient mon faisceau. On vérifie une fois qu'on a fait notre faisceau lumineux si on a fléché dans le bon sens. Donc on reprend tout. On s'imagine que S hey, est une ampoule. La lumière va vers le miroir plan. Elle rebondit sur celui-ci parce qu'elle est réfléchie et elle va en direction du collimateur et ressort du collimateur. Une fois colorié proprement au crayon de couleur, ça donne ça et on a fini le faisceau. Les questions qui suivent, c'est des questions de mécanique, histoire de vérifier si tu comprends bien quelque chose à ce que tu fais. Donc si la position du collimateur est mal réglée, sur quel élément l'utilisateur doit-il agir On regarde un petit peu les différents schémas et les plus intéressants, je te les ai mis là. Qu'est-ce qui se passe au niveau du réglage du collimateur On voit que le collimateur, c'est la lentille numéro 32. Elle est directement liée à quelque chose qui est... Nommé réglage du focus. Le réglage du focus visiblement, c'est un petit bouton qui permet de faire bouger la lentille. Donc, si la position du collimateur est mal réglée, l'utilisateur doit agir sur le repère 30, c'est le réglage du focus. Question suivante, donner le nom du système de transformation de mouvement utilisé sans préciser les repères. Donc, à la question précédente, on t'a dit, ben, si le collimateur est mal réglé, est-ce qu'on peut le faire bouger oui, en agissant sur la pièce 30. Donc visiblement, quand on tourne le bouton 30, le réglage du focus, eh bien, notre mouvement de rotation permet de faire bouger notre collimateur. Ben là, ce qu'on veut dans cette question, c'est donner le nom du système de transformation de mouvement utilisé. On a le bouton 30, qui visiblement est une roue dentée, hein, un pignon, et la pièce 32. Euh, enfin, au niveau qui est accroché à une crémaillère. Donc, la crémaillère a des dents. Quand je tourne mon pignon, ça entraîne ma crémaillère qui monte et qui descend. Enfin, dernière question de la partie A donner les mouvements effectués lors de cette transformation, ainsi que le ou les axes d'action. Donc, en gros, c'est qu'est-ce que je fais qui induit quoi. On se concentre que sur les mouvements. Je tourne mon bouton, donc rotation. Et ça se prend dans ma crémaillère qui fait monter, descendre mon collimateur. Ça, c'est une translation. Pour ce qui est des axes, le bouton est en rotation dans l'axe qui traverse le microscope. On le voit sur la coupe AA, qui est une vue, bah, comme si je regarde dans le microscope. On voit que Z, c'est l'axe qui vient vers moi quand je regarde le schéma du microscope. Donc c'est vraiment celui qui traverse le microscope. Ensuite, un peu plus facile à voir, la translation, elle se fait selon l'axe X, car c'est l'axe bah, qui, qui est de haut en bas. Donc maintenant, on passe à la partie B, étude de l'oculaire. Donc c'est plus la même chose. Maintenant, on est sur la voie d'observation. Pour réaliser le réglage en fonction de l'utilisateur, il est possible d'agir sur l'oculaire, pour faire en sorte qu'un utilisateur de compensation faible puisse utiliser le microscope à l'œil nu. Première question, bah, quelle est la fonction optique de l'oculaire Nous, ce qu'on sait dans la vraie vie, c'est qu'un oculaire, il nous permet de faire un réglage pour voir net ce qu'on souhaite observer. Donc nous, dans notre réponse, on va traduire ça, ce qui se passe dans la vraie vie, sous forme... De réponse TSO, ça sert à conjuguer l'image de l'instrument sur le rémotum. Donc, pour mieux visualiser avec une chaîne d'image, je veux qu'à la sortie de l'oculaire, mon image soit sur le rémotum parce que c'est le conjugué objet de la rétine, donc ça sera vu net. Question suivante Quel est le mouvement utile ainsi que son axe des éléments optiques de l'oculaire Alors, attention, on parle bien des éléments optiques de l'oculaire. On te parle pas de la rotation que tu fais quand tu fais le réglage de ton oculaire. Donc si on regarde sur le schéma cinématique, on voit que les lentilles qui composent l'oculaire, elles peuvent bouger. Faire une translation d'axe X. Ensuite, on veut savoir sur quel élément agit l'utilisateur pour effectuer son réglage, donc son réglage de l'oculaire. Alors moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de toujours te représenter ce qui se passe dans la vraie vie. En plus, là, c'est un microscope, donc c'est assez facile à se représenter. On a tous utilisé un microscope une fois dans notre vie. Donc, quand on voit pas bien, on vient tourner quelque chose qui est proche de notre œil, hein, qui se trouve sur le microscope, et ce quelque chose, ça s'appelle la bague de mise au c'est ce qui est le plus proche de mon œil qui appartient au microscope. Donc je viens noter, bague demi net, repère numéro 12. Ensuite, on doit donner le nom de la liaison ou les mouvements ou les axes entre le sous-ensemble D et le sous-ensemble A. Alors déjà, quand il se casse la tête à te mettre des S entre parenthèses, c'est en général qu'il y en a plusieurs. Pour donner le nom de la liaison, si on a un schéma cinématique, on ne regarde que le schéma cinématique, parce qu'en fait, ça représente directement les liaisons. Là, je regarde sous-ensemble D, sous-ensemble A. J'ai la schématisation d'une liaison hélicoïdale, donc je note hélicoïdale. Ensuite, pour toi, si tu as mis liaison hélicoïdale dans ta tête, c'est bamboleo, les mouvements, c'est rotation et translation conjuguée. Et j'insiste bien sur le conjugué. On ne peut pas avoir une rotation sans la translation et la translation sans la rotation. Pour l'axe et Fasti ben c'est écrit sur le schéma cinématique, c'est X. Et enfin, donner le nom du système de transformation de mouvement utilisé, sans préciser les repères. On est sur un système vis-écrou, on ne peut pas avoir une rotation sans translation ou une translation sans rotation. Donc ensuite, on attaque la partie tracée, partie vraiment ETSO. Pour les figures A et B, l'oculaire réduit à ses éléments cardinaux. Donc pour la figure A et la figure B, on va avoir les éléments cardinaux qui sont HOC, H'OC, qui sont ici, dans le bon sens, et on va avoir F'OC, F'OC, et pareil pour le schéma du bas. Est réglé pour des utilisateurs différents A et B. Ça veut dire que tu as la personne A qui a une amétropie, la personne B qui en a une autre, et chacun a réglé son oculaire. On désire déterminer leur amétropie ou émétropie. Pour cela, on utilisera obligatoirement un rayon issu du point sur l'axe c objet et passant par le point I sur A-choc. Donc là, je vais le faire directement pour les deux schémas comme ça au moins c'est fait, je sais d'où partir dans la figure A et la figure B. Je pars du point C objet qui est sur mon axe optique et je rejoins le point d'incidence I sur le plan HOC, plan objet. Je fais pareil pour le schéma de la figure B puisque je vais devoir appliquer exactement la même consigne dans la figure B. Je pars de c objets, je trace un rayon jusqu'à I qui est sur a choc et je flèche. On a la position du plan C-obj de l'image à travers l'objectif qu'on n'a pas, hein, là on n'a que l'oculaire. Il est placé sur les deux figures et on a aussi le plan principal objet des utilisateurs, donc H de l'œil A et H de l'œil B. Donc dans la question B6, on va nous demander de nous concentrer sur l'utilisateur A en premier. On va devoir déterminer la position de l'image CA. Donc là, vu que c'est un petit peu compliqué à visualiser, je vais faire une chaîne d'images donc on peut faire au brouillon pour comprendre que ces objets, C objet, c'est mon objet, je traverse mon oculaire et ce que je dois trouver c'est l'image de C objet à travers l'oculaire, c'est-à-dire C-A. Ici, mon C-objet, c'est un objet qui est ponctuel sur l'axe. On a deux possibilités quand on a un objet ponctuel sur l'axe pour déterminer l'image, ou on vient donner de la hauteur à l'objet, ou on vient tracer un rayon quelconque qui passe par cet objet. Là, dans la consigne, on nous demandait d'utiliser un rayon quelconque, effectivement, qui passe par C-objet et par le point I. Quand on veut déterminer la marche d'un rayon quelconque, on sait qu'on doit utiliser la méthode des phi et phi'. Donc là, par exemple, je vais utiliser la méthode des phi'. Je viens mettre ma chaîne d'image pour pouvoir appliquer ma méthode comme il faut. Donc deux incidents qui sont parallèles vont me donner deux émergents en phi'. Je sais que mon fiprime je le trouve au croisement entre le rayon émergent et le plan focal image ici de mon oculaire. donc je vais pouvoir déjà commencer par ça sans réfléchir. je trace mon plan focal image de mon oculaire. Attention, est-ce qu'il est réel? est-ce qu'il est virtuel? Là on est sur quelque chose de virtuel puisqu'il est derrière mon œil. Il ne se situe pas dans le bon espace. Ensuite, pour appliquer ma chaîne d'image Défi Prime, je vais avoir besoin d'un deuxième incident parallèle. Donc, ce deuxième incident parallèle, je vais le choisir particulier pour pouvoir savoir bah, comment il va émerger de mon oculaire. Je viens donc faire une parallèle qui passe par foc, parce que c'est un rayon particulier. F donne l'infini. Une fois que j'ai fait mon rayon qui s'arrête bien au niveau du plan principal objet de l'oculaire, je peux le flécher. Je sais qu'entre les plans principaux, mon rayon est parallèle à l'axe optique en pointillé. Donc je sais que j'ai choisi le rayon particulier qui passe par EFOG, donc il ressortira à l'infini entre l'oculaire et l'œil. Donc, ici, il sera réel. Par contre, attention, derrière mon œil, on sera sur quelque chose de virtuel. Parce que le rayon ne se situe plus dans son bon espace par rapport à ma chaîne d'image. Je sais qu'au croisement entre mon émergent et mon plan focal image de l'oculaire, je trouve mon phi'. Prime. Je rajoute hoc ok puisque je traverse l'oculaire et je peux flécher mon rayon émergent. Si je fais un petit bilan sur ma chaîne d'image des phi prime, j'ai bien mes deux incidents qui sont parallèles et je dois avoir de l'autre côté deux émergents en phi prime. J'en ai déjà un. Je vais pouvoir finir mon rayon quelconque. Entre les plans principaux, mon rayon quelconque est en pointillé parallèle à l'axe optique, puis ensuite, il va émerger en passant par phi prime hoc. Attention, à la nature réelle et virtuelle du rayon. On est en réel entre oculaire et œil, et ensuite, derrière l'œil, on est en virtuel. À quoi ça m'a servi de faire la marche de ce rayon quelconque ben, C'est objet et sur l'axe optique, donc je sais que CA sera aussi sur l'axe optique. Donc j'ai qu'à prolonger mon émergent et au croisement avec l'axe optique, je trouve mon image CA. Ensuite, pour la question suivante, on me demande de faire exactement la même chose, mais pour l'utilisateur B. Donc exactement la même démarche. on me dit que les utilisateurs A et B n'accommodent pas et voient parfaitement net à travers l'oculaire. Donc ça veut dire qu'ils voient parfaitement net ce qu'ils observent. On doit placer à partir de cette information-là les rémotomes, donc le rémotome pour l'œil A et le rémotome pour l'œil B. Il faudra donner leur amétropie, c'est-à-dire leur défaut. Déjà, pour placer les rémotomes, il faut comprendre ce qui se passe. Les utilisateurs, s'ils voient net ce qu'ils observent, ça veut dire que l'image finale à travers l'oculaire et l'œil ben, se trouve sur la rétine. Elle est formée sur la rétine. Le conjugué objet de la rétine, c'est le rémotome R. Donc si l'image s'éprime et sur la rétine, alors CA est sur le rémotome. Donc sur le dessin, je place RA confondu avec CA et RB confondu avec CB. Ensuite, je dois donner la métropie de chaque utilisateur bah si le remotum est derrière l'œil pour la figure A. L'utilisateur A a une hypermétropie. Et pour l'utilisateur B, le rhémotome est devant, donc du coup, on est sur une myopie. Question B9, elle n'est pas très compliquée, mais en fait, elle peut le devenir si on n'a pas compris exactement ce qui se passait. Donc, on va juste faire un bref récap, compléter la chaîne des conjugués pour un œil hémétrope. Donc, jusqu'à présent, l'œil A, l'œil B, ils avaient une amétropie. Ça veut dire qu'ils ont fait le réglage sur l'oculaire, ils ont déplacé l'oculaire pour pouvoir, eux, voir net. Maintenant, on a un hémétrope qui vient s'installer devant le microscope et il veut observer. Sauf qu'il s'installe après l'utilisateur A et après l'utilisateur B. Donc, il va falloir qu'il dérègle, on va dire, l'oculaire. Ça veut dire que l'oculaire va devoir se redécaler pour cet œil. Qui est émétrope, qui n'a pas de défaut. Pour savoir comment cet émétrope il va devoir bouger l'oculaire, on a besoin avant de faire une chaîne d'image pour savoir ce qu'on veut obtenir. La chaîne d'image que je dois compléter dans le cadre B9, c'est l'oculaire, j'ai c O et j'ai C-OB, mais j'ai pas l'œil. Moi je vais rajouter l'œil à côté parce que je sais que pour un émétrope, le rémotum est à l'infini. Le conjugué image du rémotum CR', r la rétine, donc grâce à cette chaîne d'image, je vois que l'image à travers l'oculaire est à l'infini. Donc C-Oc, je peux le placer directement à l'infini. Si C-Objet est sur l'axe optique, alors je sais que c'est oc l'image, sera aussi sur l'axe optique. Je le rajoute dans ma chaîne d'image. Si j'ai un infini côté image, côté objet, je vais avoir F et je traverse l'oculaire, donc f hoc. Pas de crochet, on est sur un objet qui est ponctuel sur l'axe. On me demandait aussi dans la question, depuis la position A et B, si un utilisateur émétrope s'installe à la place de l'utilisateur A, quel va être le déplacement des lentilles de l'oculaire pour retrouver les conditions d'un œil émétrope où l'oculaire renvoie une image à l'infini sur l'axe et où ces objets confondu avec FOC donc pour le premier schéma, on veut que ces objets soit confondu avec FOC. Pour réussir à avoir ça, c'est les lentilles de l'oculaire que le sujet émétrope va venir bouger. Attention, les foyers bougent en même temps que les lentilles. Donc FOC, pour qu'il soit sur ces objets, il va falloir que je décale les lentilles de mon oculaire vers la gauche. Je viens donc noter dans la case réponse que l'hémétrope qui s'installe à la place de l'utilisateur A va réaliser un déplacement selon l'axe X négatif puisqu'on fait un déplacement dans le sens inverse de la lumière. Pour l'œil B, on a un hémétrope qui vient s'installer. On veut que FOX soit confondu avec C-OBJ comme sur la chaîne d'image. Je viens réaliser un déplacement des lentilles de mon oculaire pour que FOX soit sur C-OBJ. Dans le sens positif. Ensuite, j'ai une question mécanique. En admettant que le déplacement maximal pour un œil myope est de 7 mm, calculez le nombre de tours nécessaires au réglage de l'oculaire. On voit dans la nomenclature que 1 tour est égal à 1,5 mm. On connaît aussi le déplacement maximal qui est de 7 mm, et ce qu'on cherche c'est le nombre de tours. Donc à partir de là, on n'a plus qu'à faire un petit produit en croix des familles! Et voilà, nous avons déjà fini la partie A et B du sujet 2021. Je ferai peut-être la partie C et D si je vois que bah, celle-là a beaucoup plu à la communauté des futurs opticiens. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir hein, pour que je fasse la suite du sujet très très vite. Il y a plein de belles choses de prévues pour la communauté, donc on reste soudés. Et je vous dis bisous bisous les futurs opticiens.